Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Nous sommes le dimanche 15 octobre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour, Espoir Mwinuka avec nous. Mwinuka, boni. Calme. Vous allez bien? Na bien. Aza nous venir. En fait, vous savez que la ville de Goma, c'est toujours calme. La situation est relativement calme. Sauf les alentours de la ville de Goma. C'est là où il y a quand même quelques paniques. Comme vous le savez, nous sommes sous menace de cette agression rwandaise. Et comme nous sommes sous agression, elle est contrôlée par l'armée rwandaise. Quand même, vous le savez que nos compatriotes vivent encore sous panique. Quoique la peur a changé les camps. Mais quand même, on ne parvient même pas à sommeiller tant qu'il y a encore certains de nos compatriotes qui sont sous emprise de l'armée rwandaise. Masisi libéré complètement, tout Masisi. Ouais, ça. Les jeunes déjà occupent en tout cas tout Masisi. Exactement. Nous attendons quand même, il y a quelques groupements aux alentours, des routures qui sont proches de Masisi. Nous attendons que ces groupements soit totalement aussi libéré afin que nous puissions sensibiliser nos compatriotes, ceux-là qui sont dans les cas de déplacés, surtout ceux de Masisi, qu'ils commencent à se préparer comment rentrer chez eux, puisque les jeunes ont mouillé leur varèse pour libérer une fois pour toutes tout le territoire de Masisi. Nous attendons maintenant ce cap vers Rutshuru. Et ce qui est sûr pour Rutshuru aussi, il faut préciser, les jeunes sont déjà vraiment dans les parages, des milliers clés ou bien des points clés de Rutshuru, et nous n'attendons tout simplement que quelques minutes. On va lancer l'ego et on va aussi libérer Rutshuru. Nous apprenons qu'il y a eu encore reprise des affrontements ce matin dans les Bouisa. Exactement. Les jeunes veulent en tout cas foncer et aller dans les Rutshuru. Ouais, en fait, vous savez, Bouisa, c'est parmi les verrous ou bien c'est parmi les coquilles qui sécurisent Rutshuru. Et comme vous le savez, ils appelaient Bouisa Kigali d'une manière arbitraire. Mais les jeunes, ils sont en train de mouiller leur maillot en fait de vouloir libérer Bouisa. Et lorsque nous allons récupérer Bouisa, je crois que ça sera vraiment une défaite cuisante du côté de l'ennemi. Comme vous le savez, vous avez vu comment est-ce que les jeunes sont très très mobilisés, la population mobilisée de la même manière, les autorités mobilisées, l'armée mobilisée. Quoique notre armée respecte les cessez-le-feu, mais ils gardent toujours leur morale au zénith. La population, n'en parlons plus. Les jeunes qui combattent, n'en parlons plus. Et ces jeunes, ils sont déterminés à mettre l'ennemi hors état de nuire. Pour aujourd'hui libérer Rutshuru, ça peut prendre 2 ou 4 jours. Nous ne pouvons même pas aller dans une semaine, 2 semaines pour libérer Rutshuru. Vous l'avez vu, pour libérer Masisi. Or, Masisi, c'est là où il y a beaucoup de collines que Rutshuru. Mais dans Masisi, les jeunes ont fait n'importe que 4 jours et ils ont libéré tout Masisi. Alors pour Rutshuru, je crois que les jeunes vont faire entre 2 ou 3 jours et on va libérer. Ça, c'est sûr et certain. Et cette détermination est dite à quoi, monsieur Espoir? Non, nous devons sauver nos familles. Nous devons sauver la République démocratique du Congo. Nous devons nous mettre devant à notre devoir et répondre à l'appel que nous avait légué Mousset Laurent Désiré Kabila, de dire que nous devons nous prendre en charge. Nous devons répondre au devoir que nous avait légué à Lumumba, celle de dire que l'histoire de la RDC sera réécrite par ses dignes fils. Nous devons répondre aux vœux de Kimbangu, qui voulait voir la RDC devenir ce grand léopard d'Afrique, ce baobab d'Afrique. Et nous devons répondre au vœu de Mobutu, qui disait s'il faut signer les accords avec les diables, pourvu que le Congo reste un et indivisible, nous devons le faire. Et si aussi la jeunesse, la population, s'il faut mourir pour combattre afin que notre République ne soit pas balkanisée, s'il faut mourir pour que nous puissions sauver, nous puissions mettre une fois pour toutes fin à cette histoire, à ce karaoké au comportement belliqueux de M. Paul Kagame, nous allons le faire. C'est un devoir sacré.
Vous irez jusqu'à Kigali, vous l'aviez toujours dit, hein? Oui, vous savez, d'ailleurs, nous avions appris par des rumeurs qui courent les rues que l'homme aurait disparu à Kigali. Donc nous ne savons pas là où il se trouve actuellement. Peut-être qu'il a senti cette rage aujourd'hui dans les chefs de la population congolaise. L'homme aurait disparu, ça reste encore à vérifier. Mais nous irons à Kigali quand nous allons libérer la terre de la population rwandaise. Nous allons les sauver demain des griffes de M. Paul Kagame. Nous allons les faire, c'est un devoir. Et nous savons, pour sauver la population rwandaise, puisque ce sont des jeunes amorphes, naïfs, nous devons leur venir aux rescousses. Et pour leur venir aux rescousses, c'est couper tout simplement tous les tuyaux qu'utilise M. Paul Kagame pour voler nos ressources naturelles. Vous savez, tout ce que donnaient les Américains à la population rwandaise, M. Paul Kagame utilisait ça dans ses propres intérêts, uniquement que pour corrompre certaines personnes affamées qui ne veulent pas de la République. Il utilisait ça uniquement dans des missions pour enlever ses opposants, pour tuer tout simplement les citoyens innocents. Et vous, comme vous le savez très bien, cet argent qu'on les donnait, utilisait ça pour l'intérêt de sa fille, de sa femme, point barre. Et nous allons aider les Rwandais à les sauver demain de M. Paul Kagame. Est-ce que le problème, c'est le peuple rwandais ou c'est... Non, nous n'avons pas un problème avec les Rwandais. Moi, je le dis chaque jour. Et malheureusement, que les Rwandais, c'est eux qui ont un problème avec nous, puisque nous n'avons jamais franchi la frontière pour aller attaquer les Rwandais. Jamais, vous ne le verrez jamais. Quand les jeunes se battaient en 2013 contre toujours l'agression rwandaise, vous avez vu, les Makenga, les Runiga, ils ont pris la route vers le Rwanda. Mais nous, on ne les avait pas poursuivis, voyez-vous. On avait dit, non, quand vous êtes partis loin de notre frontière, nous, on vous laisse. Malheureusement, Kagame, avec sa mauvaise politique, il revient encore. Je crois que nous devons utiliser du principe de poursuite de l'ennemi pour aider la population rwandaise une fois pour toutes. S'il faut bien éclaircir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de lanquines là-dessus, la population rwandaise et congolaise, nous n'avons pas de conflit. Mais nous ne pouvons pas aussi accepter que notre hospitalité soit aussi les sources de notre malheur. Nous ne l'allons pas accepter. Voyez-vous, nous n'allons pas accepter. Moi, je crois que nous devons nous prendre en charge, nous devons nous assumer notre responsabilité. Et pour assumer notre responsabilité, c'est accepter aussi de combattre. Je ne vois pas aujourd'hui un Américain, un Français qui va se soucier d'un Africain tant que là chez eux aussi ça brille. Ils vont se prendre aussi en charge. Et nous devons aussi incarner cet esprit révolutionnaire de Lumumba, de Kimbangu, de Mamadou Ndala Mustapha et les autres là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. On ne refuse pas que Rwandais ne puisse pas venir au Congo, on ne refuse pas, mais qu'ils puissent venir dans la normalité, qu'ils puissent respecter qu'est-ce que notre loi avant de franchir notre frontière. Mais si vous pensez que vous viendrez vivre ici chez nous par force, nous allons vous mettre à l'extérieur par force. Si vous allez venir vivre ici chez nous en conformité avec la loi, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui vivent chez nous, et on les inquiète même pas, l'essentiel, qu'ils respectent notre loi. Ah, espoir de Moïnoka. Ouais. Vers la fin de la guerre ou bien les guerres? Vous savez, être natif d'un pays riche comme la RDC, sur tous les plans, culturel, sociologique, c'est que c'est un pays riche sur tous les plans. Croire que nous allons retrouver la paix dans des négociations, ça oublier. Il n'y aura pas de négociations. Non, mais pourquoi négocier? Négocier avec les gens qui sont en train de fuir. Mais vous refusez les négociations, mais vous respectez les cessez-le-feu. Exactement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle une guerre d'usure. Celles les brancheurs peuvent facilement comprendre. Dans le vrai sens, quand on parle de cessez-le-feu, c'est parce qu'on observe peut-être telle ou telle autre mesure peuvent être prises, soit par les voies de dialogue ou autre chose. Mais chez nous, au Congo, ce n'était pas ça la philosophie. Si on a parlé du cessez-le-feu, le chef de l'État, s'il a accepté, c'était d'aller vite, de voir est-ce que ces terroristes rwandais, RDF, ils vont se retirer et partir chez eux. Malheureusement,
ils s'entêtent puisque ils ont ces personnes-là. Je venais de vous dire comment est-ce que Kagame gaspille des millions et des milliards de francs rwandais uniquement que pour corrompre certaines personnes. Il y a même ceux-là qui s'appelleraient facilitateurs, qui seraient aussi trempés à la corruption. Mais chez Kagame, l'aurait corrompu. Mais nous, chez nous, on observait ce cessez-le-feu et jusqu'à maintenant, l'armée l'observe. C'est pour voir si ces gens vont se retirer. Mais on se rend compte qu'ils ne se retirent pas. C'est pourquoi, vous voyez, vous avez suivi la fois dernière le ministre Jean-Pierre Bemba, que nous saluons en passant. C'est lui qui a dit, même s'il est temps que ça va prendre, mais la population congolaise remportera cette guerre. Mais ça veut dire tout simplement, même si vous restez là, vous allez finir par partir, puisque personne ne va se soucier de vous. Nous ne voulons pas dialoguer avec vous. Le Congo a dialogué avec vous maintes fois. Maintes fois. Nous vivons 30 ans de négociations, 30 ans de dialogue, mais sans solution. Voyez-vous, sans solution. C'est que personne ne va encore dialoguer avec ces gens. Et même si l'armée respecte les cessez-le-feu, mais les jeunes est ils ne respectent pas les cessez-le-feu. Comment vous allez dire à quelqu'un dont sa maman a été violée, son père a été tué, sa petite sœur violée devant ses yeux, il y a d'autres même que ces terroristes imposent de coucher avec leur maman, vous allez dire d'observer les cessez-le-feu? Non, il doit prendre les armes, combattre pour que l'ennemi puisse rentrer de là où il est venu. Mouzé l'avait dit, la guerre retournera là où la guerre était venue. Et nous avions suivi un vaillant qui avait paraphrasé Mouzé Laurent Désiré Kabila pour dire que cette guerre sera longue et populaire. Ça sera longue pourquoi? Ça sera longue puisque nous allons combattre une fois pour toutes. Populaire puisque tout le monde, nous allons mettre la main sur la patte afin d'en finir une fois pour toutes. Depuis 10 heures du matin, les affrontements entre les Wazalendu et les rebelles de M23 sont signalés à Kavenu. Ces affrontements sont en cours dans les villages de Tambi, près de Bouiza et ses périphéries. Des positions des rebelles de M23 viennent de passer aux mains des rebelles, des jeunes résistants à Tambi, sous la conduite du général Mike Maroro, qui, d'après nos sources, avait récupéré la position stratégique de Kiloliwe. Voilà, cette même unité avait résisté jusqu'à empêcher les rebelles de M23 de pénétrer dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Masisi. Les affrontements se dirigent vers Tanzanie, un village où les rebelles tentent de se reconstituer, indiquent nos sources. Le vieux là, Mike Mahoro, c'est pas Mike Mikombe, de la garde républicaine. C'est un voyant que nous connaissons, vraiment il est très bien connu dans les Masisi. C'est lui qui avait récupéré Kiloliro, ça c'est sûr et certain. Et il était parmi, puisqu'ils étaient à 5 personnes qui commanditaient la fois dernière quand les terroristes rwandais voulaient récupérer Rubaya, c'est eux qui avaient mis en déroute les M23. C'est que c'est une personne très très dangereuse pour le gouvernement de M. Paul Kagame et son armée qui est sur le sol congolais. C'est quelqu'un qui maîtrise les coins et les recoins de Masisi et de Rutshuru. Je crois que, comme je l'ai dit, c'est un monstre. C'est un monstre, il maîtrise la situation, il maîtrise la guerre, il connaît l'art de la guerre. C'est que, comme je l'ai toujours dit, nous combattons pour survivre. Excusez. Et nous n'allons plus accepter que l'ennemi puisse contrôler nos zones. Attendez que nos compatriotes qui sont dans les camps de déplacés, qui se préparent à rentrer à Masisi, puisque Tongo sera récupéré, Bouiza sera sauvé dans quelques heures. Ici, tous les coins et les recoins de Bouiza sera libéré. Là où ces terroristes tentent de se réorganiser, il y a les jeunes, ils vont les prendre en charge. Moi, je ne peux dire, puisque je sais qu'il y a des Rwandais qui nous suivent, moi, je peux dire à la population rwandaise, si vous avez un enfant, vraiment sur les lignes de front, dites à lui de se rendre aux FRDC. Les FRDC vont les ramener chez eux au Rwanda. Ou bien, ils peuvent même fuir, qu'ils rentrent là-bas, sinon, ils risquent de se transformer en engrais ici au Congo. Vous le savez, vous avez perdu beaucoup de personnes au Congo.
Nous, on aimerait que vous puissiez dire à vos enfants de rentrer. Kagame vous fait assassiner dans le but uniquement que de vous exterminer. Vous savez, c'est un sanguinaire. C'est quelqu'un qui n'a pas le cœur d'une personne. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas comme les humains. C'est un Hitler africain. Vous devez appeler vos enfants qui se retirent. Faute de quoi? Non, nous autres, on a déjà pris décision. On ne recule plus en arrière. Mais déjà, est-ce que pensez-vous que le jour... Parce que Bouiza, déjà, ça ouvre le passage. Et autour, on nous dit qu'il y a déjà des villages qui viennent de tomber entre les mains des Oisaliens. C'est comme si on ouvrait déjà la route pour autour. En fait, les jeunes sont dans les parages. Tout autour, en général, aujourd'hui, c'est encerclé par les jeunes. Les coins et les recoins, c'est encerclé par les jeunes. Je vous l'ai dit que les jeunes n'attendent que juste quelques mesures et les jeunes vont en finir. Nous mettons en garde cette unité spéciale de l'armée du Kenya qui a traversé la fois dernière et qui protège les M23 corps et âme. Nous leur disons, lorsqu'on nous tue, vous ne nous protégez pas. Lorsque nous voulons mettre l'ennemi à l'extérieur, vous voulez protéger l'ennemi. La population va vous considérer comme ennemi. Soit vous vous retirez, soit vous laissez la population décider à votre place. Si vous continuez à vous interposer, lorsque les jeunes veulent corriger les terroristes rwandais RDF, c'est que vous avez choisi votre camp. Et quand vous avez choisi votre camp, nous serons dans les cas opposés ou bien les cas adverse. C'est une question de vie ou de mort. Lorsqu'on parle de la patrie, on y va sans vergogne et sans blague. Donc vous allez vous attaquer au Kenya? Non, ici, là, ici le jeudi, il y a une grande mobilisation. Nous allons marcher dans les rues de Goma et nous appelons tout le monde de partout là où il se retrouve de bien vouloir participer à cette grande mobilisation pour mettre en garde les AC et leur dire qu'ils choisissent leur camp. Soit ils rentrent chez eux, soit ils nous laissent combattre. Vous voulez, est-ce que pensez-vous qu'ils vont se battre par deux côtés de l'armée congolaise? Si ils étaient venus, pourquoi? Ils n'étaient pas venus pour être la MONUSCO. Nous voulons faire partie de la MONUSCO. On ne veut pas une MONUSCO africaine. Mais des engagements, ouais, est-ce que dans les clauses, c'était bien indiqué qu'ils vont se battre contre l'armée? Mais exactement. Ils étaient venus c'est avec une mission offensive. Ce n'est pas une mission d'observation. Voyez-vous, ce n'est pas une mission d'observation. Ils étaient venus avec une mission offensive. Vous avez suivi l'autre là, ce voleur de poules, Jeff Nyaga. Vous avez suivi ce qu'il avait dit juste quand il était venu. Que s'ils ne veulent pas comprendre, nous allons les contraindre. Est-ce qu'ils ont même un jour essayé de les contraindre? Voyez-vous, ils étaient venus avec une mission offensive, mais malheureusement, ils ne parviennent pas à faire leur mission. C'est pourquoi on leur dit, soit ils doivent choisir un camp. S'ils sont venus pour aider la RDC, ou bien ils sont venus pour aider l'ennemi. Et s'ils sont venus pour aider la RDC, dans le cadre de se transformer en mission onisienne, ou bien une mission d'observation africaine, qu'ils choisissent toujours leur camp. Ils vont observer comment est-ce que nous allons faire partir l'ennemi. Nous ne voulons plus les voir s'interposer devant nous. Nous avons un devoir majeur de sauver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, surtout la partie aujourd'hui sous occupation. Même si je dis mission, puisque beaucoup de gens se demandent, mais comment la population, les jeunes peuvent avoir la mission? Or, c'est une mission consécutivement à l'armée. Nous avons une mission puisque c'est notre territoire, ce sont nos terres, ce sont nos biens qui y sont, ce sont nos mamans, ce sont nos petites sœurs. Nos mamans nous ont portés pendant 9 mois, ils nous ont allaités jusqu'à ce que nous ayons 6 ans. Ils se sont battus pour que nous puissions étudier, ils se sont battus pour que nous puissions grandir. C'est à nous de les sauver dans les griffes de monsieur Paul Kagame. Nous avons le devoir sacré et majeur de mouillir nos maillots afin de protéger quand même l'intégrité du territoire national. En tout cas, nous apprenons que Bouiza les jeunes avance et peut-être qu'on perd. C'est possible qu'on apprenne que toujours aussi on a libéré. Hein. On voit les jeunes qui sont déterminés. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite là avec les collègues qu'on va recevoir tout de suite. Ou par rapport à Serendi, parce que hier nous étions dans les Kichanga, on a vu certains éléments du M23 qui se sont déjà rendus
au FARDC qui disent qu'ils ont subi une forte pression des Ouazalènes. Voilà pourquoi ils ont décidé de se rendre. Exactement. Et chose grave, les armes qu'utilisent les Ouazalènes sont les armes ravies dans les positions de ces terroristes rwandais RDF. C'est Kagame donne les armes à son armée et les Ouazalènes récupèrent ça pour les fouetter avec, voyez-vous. Et ces jeunes, quand même, je félicite ces jeunes qui se sont rendus puisque ils ont compris, ça ne sert à rien de se faire assassiner inutilement pour les intérêts de telle ou telle autre personne. Lorsque tu vas mourir, si les lignes de déshonneur, puisque c'est pas ligne de d'honneur puisque vous n'êtes pas chez vous. Lorsque vous allez mourir inutilement, c'est ta famille qui va perdre et Kagame sera l'entrée des jubilés. Ici chez nous, nous on combat puisque nous voulons sauver chez nous. Toi tu es venu nous attaquer, vous devez vous rendre. Et si vous ne voulez pas vous rendre, vous allez toujours continuer à subir. Il y a ceux-là qui sont dans les bouises déjà, qui commencent à fuir. Et si vous regardez comment est-ce qu'ils sont en train de fuir, je vous dis, vous pouvez mourir de rire. Les personnes que la MONUSCO faisait plébisciter, qui sont lourdement armées, ils ont des armes sophistiquées, ils ont GSM. Mais quand vous les voyez en train de fuir comme des antilopes, les Ouazalènes sont déjà des armes sophistiquées. Mais ce sont des armes que nous ravissons à ces terroristes rwandais RDF. Et ce sont leurs propres armes. Qu'ils osent encore venir avec leurs hélicoptères qui font descendre à Rutshuru, ils vont voir comment est-ce que ces jeunes sont déterminés. C'est la patrie ou la mort, le Congo ou rien. Nous n'avons pas autre pays à part la République démocratique du Congo. Vous allez nous, Monsieur Espoir, merci d'avoir été là ce matin. Merci pour l'invitation. Vous appelez Vous allez nous, oui. Il faut dire que tout citoyen congolais, non, des pères et des mères, est Vous allez nous. On peut vous appeler Vous allez nous. C'est tout. Mais oui. Tu es Vous allez nous. Mais oui. Je suis nationaliste. Mais par hasard, vous n'avez pas venu avec votre. Hein? Et que vous promenez avec déjà. Mais bien les massifs, il faut qu'on va y revenir. On va faire l'émission demain lundi sur exactement. Sur les massifs, on va raconter tout ce que j'ai constaté. Ouais. Ça sera une belle émission, Cécile. Vous voyez, tous les jeunes à massifs, chacun a son arme. C'est un devoir. Vous savez, chacun a son arme à massifs. Vous savez, je l'ai toujours dit, nous devons utiliser même les moyens de bord. Toi qui n'avais pas encore eu une arme, utilisez votre machette. Gardez votre machette. Et je vois aujourd'hui à la MONUSCO qui se réveille, les États-Unis qui se réveillent. Mais les États-Unis n'ont jamais dit à l'Israël de négocier avec Hamas. Mais lui nous dit qu'il faut une solution politique. Mec. Et c'est ça notre politique. Nous, notre politique, c'est mettre l'ennemi à l'extérieur. Donc, nous tendons vers une solution politique. Et notre politique, c'est de mettre l'ennemi à l'extérieur, une fois pour toutes. Pas par les dialogues, mais par la force. Ces gens doivent apprendre à respecter la RDC. Merci. Si les États-Unis, ils vont encore s'aventurer. D'ailleurs, ce vendredi, on prépare leur consulaire qui se prépare. Nous serons sur votre porte. Allez-y dire aux Israéliens de négocier avec les Hamas. Allez-y dire aux autres de négocier. Allez-y dire à Poutine de négocier. Nous n'allons pas négocier avec Kagame. Si vous allez tous nous exterminer, nous allons y aller. Merci, comme ça. Mesdames et messieurs, nous avoir regardé ce dimanche matin. Espoir, merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Nous mobilisons toujours la population, qu'on se prépare. Mais aussi, nous réfléchissons sur comment lancer une campagne, un cahier pour un enfant. Puisque nous pensons que nos amis, nos compatriotes de Rutshuru, de Masisi, les enfants doivent rentrer à l'école. Merci. Merci à ceux-là qui nous soutiennent dans ces combats. Merci à ceux-là qui nous encouragent, qui nous félicitent. Nous recevons vos félicitations toujours sur nos coordonnées et nous sommes très très contents. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. En fait, pour ceux-là qui veulent participer à cette campagne, on va lancer ça demain. Ils peuvent nous contacter à nos coordonnées, plus 243 990 66 42 08. Merci, pour tout contact, nous allons répondre. Merci mesdames et messieurs, nous avons regardé. C'est dimanche. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.